Salam alaikum. Dans cette vidéo, nous allons traiter l'exercice numéro 1 de l'épreuve nationale 2019, session normale, pour la filière sciences économie. L'exercice 1 étant sur 4 points et dédié pour les suites numériques. Alors, nous allons tout d'abord lire l'exercice et puis après nous allons traiter les questions une par une. Restez avec nous. Merci. Alors, l'exercice numéro 1, on nous donne, comme donné, soit UN, la suite numérique définie par U0 égale à 2 et UN plus 1 égale à 1 sur 2, UN plus 1 sur 7. Cela pour tout N entier naturel. Alors, la première question, on va calculer U1 et U2. Puis, deuxième question, petit a, on va montrer par récurrence que pour tout N entier naturel, on a la propriété un moins 2 sur 7 est supérieur ou égal à 0. Puis, on va vérifier que pour tout n entier naturel, on a un plus 1 moins un égale à cette formule. Et puis, on va déduire que un est une suite décroissante. Donc, cette question, elle est divisée en deux parties. Pour la troisième question, on va montrer que la suite un est convergente. Puis, quatrièmement, on nous donne une suite Vn qui est définie de la sorte un moins 2 sur 7. On va calculer V0, puis on va montrer que Vn est une suite géométrique de raison 1 sur 2. Puis on va déduire un en fonction de n, donc on a cette expression-là à vérifier. Et puis dernièrement, on va calculer la limite de la suite un. Alors on commence. Donc, la première question, avec un demi-point, on va calculer U1 et U2. Donc, on calcule U1. Alors, en utilisant la propriété de la suite, donc on a UN plus 1 égale à 1 sur 2, UN plus 1 sur 7. Donc, c'est une suite qui est définie par récurrence. Alors, U1 est égal à 1 sur 2, U0 plus 1 sur 7. Donc, U1 se calcule en fonction de U0. On a U0 égale à 2, donc il suffit de remplacer U0 par 2 et on obtient finalement 1 plus 1 sur 7. On réduit le même dénominateur et on trouve que U1 égale à 8 sur 7. De même, pour le calcul de U2, donc on a UN plus 1 égale à 1 sur 2, UN plus 1 sur 7. Donc pour le calcul de U2, on va le faire en fonction de U1, le terme qui le précède. Donc U2 égale 1 sur 2 U1 plus 1 sur 7. On remplace U1 par le calcul qu'on a trouvé, le 8 sur 7. Et on trouve par addition que U2 égale à 5 sur 7. Très bien. Maintenant, on nous demande, en utilisant le principe de récurrence, on va montrer que UN moins 2 sur 7 est supérieur ou égal à 0. Alors le principe de récurrence, on a la première étape, c'est l'initialisation, c'est-à-dire qu'on montre la propriété pour n égale à 0. Puis la deuxième partie, c'est l'hérédité. Alors, on se fixe un n, un rang, et on suppose que la propriété est vraie pour ce rang-là. Donc, on suppose que un moins 2 sur 7 est supérieur ou égal à 0. Et puis, on montre pour le terme qui le suit, qui est un plus 1. Donc, on va vérifier que un plus 1 moins 2 sur 7 est supérieur ou égal à 0. Et, comme guise de conclusion, on va déduire que d'après le principe de récurrence, on a, pour tout entier naturel n, un moins 2 sur 7 est supérieur ou égal à 0. Donc, les étapes de la récurrence. Tout d'abord, l'initialisation pour n égale à 0. Donc, on vérifie pour le premier terme. Donc, pour nous, puisque c'est l'ensemble des entiers naturels, donc le premier terme c'est n égale à 0. Pour l'hérédité, donc on se fixe un rang, donc pour nous on l'a noté comme n, et on va supposer que la propriété est vraie pour ce rang-là, c'est-à-dire que un moins 2 sur 7 est supérieur ou égal à 0. Et puis on va montrer que la propriété reste vraie pour le terme qui le suit, c'est-à-dire le terme qui suit le un, c'est-à-dire le n plus 1. Et on conclut que d'après le principe de récurrence, on a la propriété révérifiée.
Alors, allons-y. Donc, tout d'abord, pour n égale à 0, donc on va vérifier notre propriété, c'est-à-dire qu'on va vérifier que u0 moins 2 sur 7, est-ce qu'elle est positive? Donc, u0 moins 2 sur 7, on remplace u0 par sa valeur qui est égale à 2. Donc, par calcul, on trouve que c'est égal à 12 sur 7. On a 12 sur 7, évidemment qu'elle est positive. Donc, un moins 2 sur 7 est vérifié pour n égale à 0. Donc, la deuxième étape, soit n appartenant à n. Donc, on suppose que un moins 2 sur 7 est supérieur ou égal à 0. Et on va montrer que un plus 1 moins 2 sur 7 est supérieur ou égal à 0. Mais ici, dans cette supposition-là, dans cette hypothèse qu'on a prise, on a un moins 2 sur 7 est supérieur ou égal à 0. Donc, c'est-à-dire que un est supérieur à 2 sur 7. Alors, on va montrer que un plus 1 moins 2 sur 7 est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire qu'on va montrer là aussi que un plus 1 est supérieur ou égal à 2 sur 7. Alors, montrons que un plus 1 est supérieur ou égal à 2 sur 7. On a l'expression de un plus 1, c'est 1 sur 2 un plus 1 sur 7. Donc, d'après l'hypothèse de récurrence, on a un est supérieur à 2 sur 7. Donc, on va multiplier par 1 sur 2 les deux côtés, sachant que 1 sur 2 elle est positive. Donc, aucun changement sur le symbole. Alors, on trouve que 1 sur 2 un est supérieur à 1 sur 7. Il suffit maintenant d'ajouter 1 sur 7 aux deux côtés. Et on trouve finalement que 1 sur 2 un plus 1 sur 7 est supérieur à 2 sur 7. Et ce terme-là, ce n'est rien d'autre que un plus 1. Donc, on trouve que un plus 1 est supérieur à 2 sur 7. Ce qui nous donne que un plus 1 moins 2 sur 7 est supérieur ou égal à 0. Donc, on a vérifié que la propriété est vraie pour un plus 1. D'où, d'après le principe de récurrence, en conclusion, on a, quel que soit l'entier naturel n, un moins 2 sur 7 est supérieur ou égal à 0. Deuxième question, on va vérifier que le calcul de un plus 1 moins un, ça nous donne cette formule-là. Donc, on vérifie, on a le terme un plus 1, c'est 1 sur 2 un plus 1 sur 7. Il suffit de faire la différence avec un, donc par calcul, on trouve que c'est égal à moins 1 sur 2 un plus 1 sur 7. Sachant que ici on a 1 sur 2 un moins un. Donc, ça nous donne moins 1/2. Alors, comme vous le remarquez ici, donc, ils ont factorisé par moins 1/2. Donc, il suffit maintenant de factoriser par moins 1/2. Alors, on en factorise. Alors, on trouve moins 1/2 un moins 2 sur 7. Et cela, c'est la propriété souhaitée. Maintenant, la deuxième partie de la question, on va déduire que un est une suite décroissante. Tout d'abord, pour déterminer la monotonie d'une suite, donc on a un est une suite définie, est une suite qui est croissante, si pour tout n entier naturel, on a un plus 1 moins un est positif. Sinon, si la différence elle est négative, c'est-à-dire que la suite elle est décroissante. Donc, ici, on a déjà calculé le un plus 1 moins un, qui est moins 1/2 facteur de un moins 2 sur 7. Donc, d'après la question de A, qu'on a vérifié par récurrence que un moins 2 sur 7 est supérieur ou égal à 0, il suffit maintenant de multiplier par moins 1/2, qui est une valeur négative, et on trouve que le produit est un produit négatif. D'où la suite un est une suite qui est décroissante. Troisième question. On nous demande maintenant de montrer que un est une suite convergente. Alors, dire qu'une suite est convergente si un est croissante et majorée, ou un est décroissante et minorée. Donc, on a les deux cas. Si on essaie de lier avec les questions, donc on a déjà vérifié que la suite un elle est décroissante, donc il reste maintenant à déterminer que la suite est minorée. Alors, d'après la question, on a vérifié que un moins 2 sur 7 est supérieur ou égal à 0.
Et on a remarqué que ce n'est rien d'autre que un, elle est supérieure à 2 sur 7. Donc ici, on va dire que notre suite, elle est minorée par 2 sur 7. C'est bon? Et on va ajouter que la suite, elle est décroissante, d'après la question précédente. Et on regroupe les deux résultats et on trouve que la suite un est une suite qui est convergente. Alors maintenant, la quatrième question, on nous donne une suite Vn qui est définie par un moins 2 sur 7. On va calculer V0. Donc il suffit de remplacer le n par le 0 dans l'expression de Vn et on trouve que V0 ce n'est rien d'autre que U0 moins 2 sur 7 avec U0 égale à 2. Donc par calcul, on trouve que V0 égale à 12 sur 7. Maintenant, pour le B, on va montrer que Vn est une suite géométrique de raison 1 sur 2. Que veut dire d'abord une suite géométrique? Alors, on dit que Vn est une suite géométrique si il existe un nombre réel qu'on appelle Q, de telle sorte que Vn plus 1 égale à Q fois Vn. C'est-à-dire que l'expression de Vn plus 1 s'écrit sous la forme d'un produit d'un nombre réel et Vn. Et ce nombre réel, on l'appelle la raison de la suite géométrique. Donc pour nous, on va essayer de trouver que Vn plus 1 est égal à 1 sur 2, parce que le Q ici, on demande qui est égal à 1 sur 2, donc 1 sur 2, faut multiplier par l'expression de Vn. Alors allons-y. Alors on a Vn égale à Un moins 2 sur 7. Donc pour le calcul de Vn plus 1, donc il suffit de trouver que Vn plus 1 ce n'est rien d'autre que Un plus 1 moins 2 sur 7. Sachant que Un plus 1 égale à 1 sur 2 Un plus 1 sur 7. Donc on va remplacer l'expression de Un plus 1 et on trouve 1 sur 2 Un plus 1 sur 7 moins 2 sur 7. Un calcul, 1 sur 2 Un moins 1 sur 7. On factorise par 1 sur 2, c'est bon, on trouve que c'est égal à 1 sur 2 Un facteur de Un moins 2 sur 7. Sachant que Vn c'est rien d'autre que Un moins 2 sur 7, alors on trouve que Vn plus 1 est rien d'autre que 1 sur 2 Vn. Et cela nous détermine que Vn est une suite géométrique de raison 1 sur 2. La question C, on nous demande ici d'en déduire l'expression de Un. C'est-à-dire qu'on va déduire l'expression de Un en fonction de n. Alors, on a le Vn est égal à Un moins 2 sur 7. Donc, Un, ce n'est rien d'autre que Vn plus 2 sur 7. Ici, pour déterminer l'expression de Un, on a Vn est une suite géométrique de raison Q et de premier terme V0, alors Vn est égal à Q à la puissance n, la raison à la puissance n multiplié par le V0. Donc pour nous, Vn est une suite géométrique de raison 1 sur 2, donc il suffit de remplacer par les valeurs numériques et on trouve que Vn est égal à 1 sur 2 à la puissance n multiplié par 12 sur 7. Donc en prenant cette expression de Vn, on va la remplacer dans l'expression de Un et on trouve Un, ce n'est rien d'autre que 1 sur 2 à la puissance n multiplié par 12 sur 7 plus 2 sur 7. Et c'est le résultat demandé. Finalement, on va maintenant calculer la limite de Un. Alors, en utilisant l'expression de Un déterminée précédemment, donc la limite de Un, ce n'est rien d'autre que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur 2 à la puissance n multiplié par 12 sur 7 plus 2 sur 7. Une propriété en utilisant la limite avec la base des puissances. Donc si la base est comprise entre moins 1 et 1, alors on a la limite de la base à la puissance n est égale à 0. Si la base Q
est supérieure à 1, alors la limite de q à la puissance n tend vers plus l'infini. Et si le q est inférieur ou égal à moins 1, donc ici, pas de limite. Alors, dans notre cas, on a le 1 sur 2 à la puissance n. Donc la base 1 sur 2, elle est comprise entre moins 1 et 1. Donc la limite va être égale à 0. Donc, on trouve le résultat. Si 0 multiplié par 2 sur 7, donc ça va nous donner 0. Et plus le 2 sur 7, ça va nous faire que la limite est égale à 2 sur 7. Alors, comme vous venez de le voir, on a traité l'exercice numéro 1 de l'épreuve nationale 2019, session normale pour la filière sciences économiques. On se tient rendez-vous pour une autre vidéo avec d'autres exercices. Merci. Bon courage.